Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur la mystérieuse cité Gerudo. Si vous avez joué à Breath of the Wild, vous savez bien évidemment qu'il y avait des conditions pour pouvoir entrer dans la cité Gerudo. Je pense que beaucoup d'entre vous y ont joué, mais bon, par respect pour ceux qui n'y ont pas encore joué et pour pas gâcher le plaisir, je ne vais pas vous dire quoi. Et là, dans Tears of the Kingdom, donc voilà, on se trouve encore avec cette fameuse cité Gerudo. Je vais vous montrer sur la carte où elle se trouve. Donc là, je vais dézoomer. Vous voyez un sanctuaire que j'ai débloqué, mais que je n'ai pas encore fait. Donc c'est comme dans Breath of the Wild, ça se trouve ici. Alors donc, bizarrement, on nous laisse tranquillement rentrer dans la cité. Après, la question qui se pose, c'est comment rentrer réellement dans les souterrains? Parce que lorsqu'on va... là, je vais vous montrer. Attendez. On voit que la cité a pris cher. On comprend que voilà, qu'il y a des choses qui se sont passées. Il y a un peu, c'est un peu, on sent qu'il y a comme une tempête de sable. Il n'y a plus personne. Donc comment réellement rentrer dans la cité Gerudo? Donc, si vous passez par là, donc vous allez vous trouver face à une garde. Donc voilà. Les voies hein, dans les cités Gerudo sont pas les bienvenus. Voilà, les hommes, c'est la tradition, ne sont pas les bienvenus dans la cité Gerudo. Donc en fait, en gros, on peut s'abriter dans la cité, mais on ne peut pas rentrer dans le souterrain avec les autres personnages de la cité. Alors, l'astuce, la voilà. Vous allez par ici et vous voyez ici il y a un trou où on peut passer. Hop, on continue par ici. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Ouais, il va sûrement y avoir quelque chose à faire avec ça. Et là, bien évidemment, on s'infiltre. On s'extrait. Voilà. Les gardes, évidemment. Un voy, arrêtez-le. Outrage. C'est là que ça va devenir intéressant. Qui arrive? La très très charismatique. Très très charismatique Vetera. Donc si vous avez joué à Breath of the Wild, hein, vous vous souvenez d'elle, bien évidemment. J'aimais beaucoup Urbosa et bien sûr Ryu. Voilà, donc je suis très très contente parce que ben je vais revoir une de mes descendantes de prodiges préférées. Bon, moi j'ai Ryu, il y en a qui disent Riju. Voilà. Donc voilà, on trouvera Ryu du côté des ruines du Nord. Voilà. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça. Voici la soluce pour infiltrer, on va dire, la cité Gerudo. Et lancer une quête. Je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça nous fait énormément plaisir. Je vous remercie. À très bientôt. Bye bye les amis.